Quelqu'un a dit, alguien dijo, un chrétien triste, un cristiano triste, c'est un triste chrétien. Es un triste cristiano. Si je me trompe pas, c'est... Oui, c'est bon. Ça a du sens. Nous voulons laisser encore la place à deux chants. Vamos a cantar todavía dos cánticos más. Et puis ensuite, nous aurons un moment d'offrande et nous prierons et nous baptiserons nos amis qui sont là. Tendremos un momento de ofrenda después y luego estaremos procediendo al bautismo. Jésus a vaincu.
puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur Seigneur, et encore aujourd'hui tu vas encore sauver plus d'âmes ce matin Seigneur, alléluia. Tel que nous sommes, nous avançons vers toi Seigneur. Merci pour ton sang versé sur la croix, merci pour cet agneau de Dieu sans tache, l'agneau immolé, mort pour nous Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle et la vie en abondance, même sur terre. La vie en abondance. Merci Seigneur. Dieu, avançons vers lui, alléluia, donnons-lui notre vie tout entière, car
car il est celui qui est grand en amour, celui qui pardonne. Tel que nous sommes, il nous aime. Et il nous aime tant qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous donner le salut, la vie éternelle. Rendons-nous compte de cela ce matin. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je algunos anuncios. La toute première, c'est que la pandémie nous a beaucoup impactés. La pandemia ha traído muchas dificultades. Et nous ayant impacté, nous n'avons pas pu faire de baptême pendant les deux années qui ont précédé. Y casi durante dos años no hemos podido realizar bautismos. D'où le nombre important aujourd'hui. Por ello es que hay muchos que se van a bautizar en este día. On fait en plusieurs sessions. Siempre hacemos menos grupos. Mais plusieurs des baptisés attendaient depuis longtemps de pouvoir descendre dans les eaux du baptême. Hace tiempo que estaban esperando. Comme je l'ai dit, ici c'est un centre international. Hemos dicho que es un centro internacional. Où nous prêchons l'évangile. Donde predicamos el evangelio. Notre livre de chevet, c'est la Bible. Nuestra guía es la palabra de Dios. Et nous voulons être le plus proche possible de cette parole. Y queremos estar lo más cerca posible a esta palabra. Ce n'est pas une religion qui nous sauve. No es ninguna religión que salva. Mais c'est le Seigneur Jésus qui nous sauve. Pero es el Señor Jesucristo que salva. Nous avons au milieu de nous des missionnaires américains. Tenemos misioneros americanos en medio nuestro. Monsieur et Madame Cupp. Je vais leur demander de venir. La familia Cupp. Ils rentrent aux États-Unis. Ellos regresan a Estados Unidos. À la fin de l'été. A fin de este verano. Et nous voulons les saluer avant leur départ et que vous puissiez les voir. Queremos saludarle antes que se vayan. Des Américains aussi beaux, vous n'en verrez pas souvent. Voilà. Nous tenons à remercier Pasteur Forchelet et toute l'Église pour. Agradecemos a la Iglesia, al Pastor Forchelet. Nous avons passé plus de 4 ans maintenant ici à travailler avec vous. Trabajamos 4 años con ustedes. Ce n'a pas été toujours été des moments faciles dans le ministère. No fue fácil la obra del ministerio. Mais c'est vraiment la joie de tous se retrouver ensemble. Pero qué alegría de estar juntos otra vez. Nous repartons aux États-Unis pour faire la tournée des églises qui nous soutiennent là-bas. Debemos ir a Estados Unidos para visitar las iglesias que nos sostienen financieramente. Et on amène avec nous la joie d'être tous ensemble que nous avons partagé avec vous ici à Evidence. Y llevamos con nosotros la alegría de estar juntos. Yeah. Je voudrais simplement merci à tous. Quiero agradecerles a todos sencillamente. Les pasteurs, bien sûr, pour votre assistance. Gracias a los pastores por su ayuda. Et j'ai quelques versets je voudrais vous laisser. Quiero dejarles un versículo bíblico. Nombre chapitre 6 verset commencé en 22. Numéro 6. L'Éternel dit à Moïse: transmette ces instructions à Aaron et ses fils. Transmite, le dijo Dios a Moisés, estas instrucciones a Israel. Voici comment vous bénirez les Israélites. Así bendeciréis al pueblo. Que l'Éternel te bénisse. Que Jehová tu Dios te bendiga. Et te garde. Y te guarde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que haga brillar su rostro sobre ti y te dé su gracia. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Y que el rostro del Señor esté contigo. Amén. Merci. Vous bénisse.
Nous avons depuis peu un département où nous prêchons l'évangile en arabe. Recientemente hemos abierto un nuevo departamento donde se predica en árabe. Et nous avons au milieu de nous pour la première fois dans un culte en commun. Y por primera vez tenemos en medio nuestro en un culto unido. Un pasteur algérien, kabyle. Un pastor de la Kabylie et algériano. Qui s'appelle Monsieur Mustafa Kriesh. Voilà. Mustafa Kriesh. Vous pouvez enlever votre voilà. Venez qu'on vous présente. Passez por aquí para presentarlo. La Bible nous dit. La Biblia dice que lorsque nous sommes chrétiens, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Que ya cuando somos cristianos no hay judíos ni griegos. Et quand on est chrétien, il n'y a plus français ni latino ya no hay ni arabes. Ni árabes en Cristo. Mais nous sommes ensemble pour travailler pour Dieu et nous sommes frères et sœurs dans la foi. Somos hermanos en Cristo. Juste un mot. Una palabra más. Pour dire que Mustapha et le département arabophone, c'est le résultat aussi du travail de nos chers amis Aaron et Nanette. También decirles que el resultado de este trabajo es de nuestros hermanos que se van de misiones a Estados Unidos. Voilà, béni soit Dieu pour ce qui se fait. Y gracias a Dios por lo que se hace. Merci. Nous voulons ensemble nous lever et prier que Dieu bénisse ces moments. Queremos invitarles a orar juntos. Notre bon Père céleste. Padre celestial. Nous ne voulons pas réciter des choses apprises par cœur. No queremos decir las cosas de memoria. Mais nous voulons exprimer ce que ressent notre cœur. Pero queremos hablar desde el corazón. Seigneur, nous t'aimons. Señor, te amamos. Et nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Te amamos porque nos amaste primero. Et tu nous as aimés jusqu'à la mort et la mort de la croix. Y nos has amado hasta la muerte de cruz. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Gracias por esto, Señor. Seigneur, que tu bénisses tous les amis qui sont entrés dans ce lieu. Bendice a todos los invitados en esta tarde. Seigneur, qu'ils puissent bénéficier de l'onction de ton esprit. Puedan beneficiarse de tu presencia. Qu'ils puissent se faire du bien en ta présence. Puedan ser bendecidos en tu presencia. Seigneur, tu béniras tout particulièrement les baptisés. Señor, bendice a los que se van a bautizar. Seigneur, que ce ne soit pas une formalité pour eux. Que no sea solo una formalidad para ellos. Mais l'engagement avec toi. Pero ese compromiso contigo. L'engagement d'une vie réelle chrétienne. Un compromiso real cristiano. Seigneur, tu veux bénir et conduire toutes choses. Señor, bendice y conduce todas las cosas. Seigneur, tu permettras que tout ce qui est inutile disparaisse. Permite que todo lo que es inútil desaparezca, Señor. Et tout ce qui a de la valeur puisse sortir et être en bénédiction. Y todo lo que tiene valor pueda surgir para ser de bendición. Merci pour tout ce que tu vas faire. Gracias maintenant. Por todo lo que vas a hacer ahora. Tu étends tes mains également sur les offrandes. Extiende tu mano sobre las ofrendas. Et tu bénis ceux qui donnent. Y bendice a los que dan. Et tu fais du bien à chacun. Y bendice a cada vida. A toi, Seigneur, soit la gloire. A ti la gloria, l'honneur, la puissance, el honor, et la el poder y la fuerza. Au siècle des siècles. Por los siglos de los siglos. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Podemos sentarnos. Et nous chantons un chant pendant le service de l'offrande. Y vamos a cantar un cántico mientras recogemos la ofrenda. Alors, c'est toujours dans la joie que nous allons porter notre offrande au Seigneur. Parce que quand on donne avec joie pour le Seigneur, il nous bénira même au-delà de ce que nous espérons, de ce que nous demandons. Et sachez que Dieu va encore faire des choses miraculeuses dans votre vie. Et ce matin, c'est le jour où il va nous bénir. C'est le jour que nous avons attendu depuis longtemps. Je vais vous toucher. Dieu va vous changer.
Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut te sauver. Des gens qui pensent que d'être chrétien c'est être triste. Algunos piensan que ser cristiano es ser triste. Et que les chrétiens sont des gens qui ne savent pas se réjouir. Y que no saben alegrarse. Mais en réalité, les chrétiens ce sont des gens heureux. En realidad, el cristiano tiene el gozo del Señor. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont sur la terre. Ellos saben por qué están en la tierra. Ils savent où ils vont. Saben hacia dónde van. Ils savent que le cimetière n'est pas le but de leur vie. Saben que el fin no es el cementerio. Mais que un jour notre âme quittera notre corps. Un día esta alma se irá de este cuerpo. Ce qui redescend dans la terre, c'est le corps, mais c'est pas l'âme. El cuerpo se va a la tierra, pero no el alma. L'âme est éternelle. El alma es eterna. Alors quelques minutes avant de commencer les baptêmes, pour vous expliquer ce que sont les baptêmes. Unos minutos antes de empezar el bautismo para explicar lo que es el bautismo. Ma grand-mère, mi abuela, disait toujours, decía siempre, mon petit-fils, mi nieto, tu es la plus belle des religions. Tienes la más bella de las religiones. Mais qu'est-ce que m'apporte la plus belle des religions si moi je ne vis rien? ¿Y qué me aporta una religión si no yo no vivo nada en si ella? Si j'ai la plus belle des voitures, la más bella de los, o el más bello de los carros, mais qu'il n'y a pas de moteur dedans. Pero que no hay motor adentro. ¿A quoi ça sert? ¿De qué sirve? Alors je vais dire ce matin quelque chose d'important, c'est une question qu'on me pose souvent. Y voy a decir algo y me hacen muchas veces esta pregunta. Non, les baptisés ne changent pas de religion. No, los que se bautizan no cambian de religión. Ils ont changé de vie. Cambiaron de vida. On ne change pas de religion. No se cambia de religión. On change de vie. Se cambia de vida. Ils sont devenus chrétiens. Llegan a ser cristianos. C'est-à-dire disciples de Christ. Es decir, discípulos de Cristo. Ils ne sont pas disciples d'une religion quelconque. Y no son discípulos de alguna religión. Ils ne sont pas disciples du centre évangélique. O de aquí del centro evangélico. Non, ils marchent avec le Seigneur Jésus. Caminan con el Señor Jesús. On peut être né dans une religion. Se puede nacer en una religión. Suivant l'endroit où on est né. Según donde uno nace.
Mais être chrétien, c'est un choix. Ser cristiano es llegar a tomar una decisión. C'est un choix délibéré. Es una decisión que uno mismo toma en toda libertad. Croire que Dieu existe. Creer que Dios existe. C'est un choix. Es una elección. Croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est un choix. Creer que la Biblia es la palabra de Dios es una elección. Et obéir à la parole de Dieu, c'est un choix. Y obedecer la palabra de Dios también es una elección. Et la toute première fois où l'évangile a été prêché sur la terre, c'était le jour de la Pentecôte. Y la primera vez que se predicó el evangelio fue el día de Pentecostés. Et Pierre n'a pas prêché aux Juifs de changer de religion. Y Pedro no le dijo a los judíos que cambiaran de religión. Il les a invités à suivre le Christ qui avait donné sa vie pour eux. Les invitó a seguir a Jesús, aquel que había dado su vida por ellos. Et l'apôtre Pierre leur dira entre autres ceci. Y Pedro les dirá, repentez-vous. Les dira arrepentíos. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesús. Pour le pardon de vos péchés. Para el perdón de los pecados. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Et l'apôtre Pierre ajoute. Y Pedro añade a esto. Car la promesse est pour vous. Porque la promesa es para ustedes, pour vous, les Juifs à qui je parle, para ustedes los judíos que le pour hablo, vos enfants, para vuestros hijos, et pour tous ceux qui sont au loin, même à Évidence. Y todos aquellos que están lejos, incluyendo los de Évidence. Vous saviez pas que c'était écrit, no sabían ustedes que eso les estaba escrito. Des apôtres. Mais si, c'est écrit là. Está escrito en los Hechos. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Cuantos Dios llame. Un autre texte où Pierre parle, il dira repentez-vous donc et convertissez-vous. Y en otro texto dice arrepentíos y conviértanse. Qu'est-ce que c'est que la conversion? ¿Y qué es la conversión? La conversion, c'est un retournement de situation. Es un cambio de situación. C'est le moment où on réalise qu'il y a un vide dans nos vies. Llega uno a realizar que tiene un vacío en su corazón. C'est le grand penseur Pascal qui disait que le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Y que este gran pensador Pascal decía que el corazón tiene la forma de Dios. Et quand Dieu ne remplit pas ce vide, y cuando Dios no llena este vacío, c'est le cas de le dire, le cœur est vide. Es el caso de decirlo, el corazón está vacío. Puis un jour on s'est posé des questions. Y un día nos preguntamos, à quoi ça sert d'être sur la terre? ¿De qué sirve estar en esta tierra? Que faisons-nous ici-bas? ¿Y qué hacemos en esta tierra? Pourquoi sommes-nous nés dans une famille pauvre? ¿Por qué nacimos en una familia pobre? Pourquoi ceci, pourquoi cela? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Jusqu'au moment où nous avons entendu le message de l'apôtre Pierre. Hasta que llegamos a oír el mensaje de Pedro. Jésus-Christ est mort pour vous. Jesús murió por ustedes. Et par sa mort, vous pouvez avoir la vie. Y por su muerte podéis tener vida. Et pas seulement la vie ici-bas. Y no solo la vida aquí. Mais la vie éternelle. Sino la vida eterna. Personne ni aucune religion ne peut vous promettre l'éternité. Ninguna religión le puede prometer la vida eterna. Seul Jésus a le pouvoir. Solo Jesús tiene ese poder de nous ouvrir le ciel. De abrirnos el cielo. Au brigand sur la croix, en aquel ladrón en la cruz, il lui a dit ceci. Le dijo lo siguiente. Aujourd'hui. Hoy día. Aujourd'hui. Hoy día. Tu seras avec moi dans le paradis. Estarás conmigo en el aujourd'hui. Paraíso. Hoy día. Et la Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Aujourd'hui vous entendez la parole du Seigneur. Hoy día oye la palabra de Dios. Et nous avons un jour dit ceci. Y dijimos en un día en una ocasión. Seigneur, ma vie ne me convient pas. Señor, mi vida no me conviene. Nous avons besoin d'une autre vie. Necesitamos otra vida. Viens Jésus. Ven Jesús. Tel que je suis, comme nous l'avons chanté. Como lo cantamos, tal cual sans soy, rien à moi. Sin nada en mí. Sinon ton sang. Sino tu sangre. Versé pour moi. Que vertió por mí en la cruz. Alors le baptême biblique. Entonces el bautismo bíblico. Je parle pas d'un baptême de religion. No hablo de un bautismo de religión. Mais le baptême biblique. El bautismo bíblico. C'est le témoignage visible. Es el testimonio visible. De notre engagement invisible. De nuestra entrega invisible. Personne ne sait que je me suis engagé avec Christ. Nadie sabe que yo me he comprometido con el Señor. Mais aujourd'hui, pero hoy día, en descendant dans les eaux du baptême, al pasar por las aguas del bautismo, je témoigne que Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ma vie. Soy testigo de que Jesús que es el Señor de mi vida. Que je veux le servir, que quiero seguirle, servirle. Et que sa parole, je vais m'y conformer. Y que voy a conformarme a su palabra. C'est, dira l'apôtre Paul, la mort avec Christ. Pablo habla de la muerte con Cristo. C'est un symbole, le baptême. On plonge la personne dans l'eau, on l'enterre dans l'eau. Es un símbolo, el agua, lo enterramos en el agua. C'est symbole de mort. Símbolo de muerte. Mort à notre vie passée. Muerte a nuestra vida pasada. Et on laisse les gens un quart d'heure sous l'eau.
y los dejamos 15 minutos bajo el agua. Pour être sûr qu'ils sont bien morts. Para matarlos de una vez. Que non, sepa. C'est pas vrai. Hein. C'est le symbole de la mort. Es el símbolo de la muerte. Et de la résurrection. Y de la resurrección. Alors ils ne sont pas transformés le jour du baptême. No son transformados en el día del bautismo. Il y a déjà un moment que nous avons fait l'expérience. Ya han vivido esa experiencia de cambio. Mais aujourd'hui ils commencent une vie nouvelle. Pero hoy comienzan una vida nueva. La Bible nous dit aimez vos ennemis. La Biblia dice ama a tus enemigos. Aimez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent. Bendigan a los que los maldicen. La Bible parle du couple, du mariage. La Biblia habla del matrimonio. Elle parle du présent et du futur. Habla del presente, del futuro. La Bible, c'est un code de vie. La Biblia es un código de vida. Qui fait de nous des enfants de Dieu. Que hace de nosotros hijos de Dios. Alors aujourd'hui, et je termine. Y termino hoy día. Nous savons pourquoi nous sommes sur la terre. Sabemos por qué estamos en la tierra. Je suis sur la terre. Estoy en la tierra. Parce que c'est la volonté de Dieu. Porque es la voluntad de Dios. Et il veut se servir de moi. Y quiere usar mi vida. Un jour j'ai fait cette prière quand j'ai entendu l'évangile. Un día yo oré esta oración cuando oí el evangelio. Seigneur, je suis le plus vil des pécheurs. Dije, Señor, soy el más vil de los pecadores. Mais si tu veux faire quelque chose avec ma vie. Pero si quieres hacer algo con mi vida. Je te la confie. Aquí está mi vida. Et le Seigneur s'en est occupé. Y el Señor usó mi vida. Et il a fait de moi une personne nouvelle. Una criatura nueva. Je réalise qu'il a porté nos péchés sur la croix. Me doy cuenta que él llevó mis pecados en la cruz. Et maintenant, nous sommes en route vers le ciel. Y ahora vamos camino hacia el cielo. Moi, je plains les gens qui sont en route vers le cimetière. Me lamento con aquellos que solo van al cementerio. Un jour, une dame est venue me voir parce qu'elle faisait de la dépression nerveuse. Un día una señora vino a hablar conmigo, vivía depresiones. Alors j'ai un peu parlé avec elle pour savoir quelle était son angoisse. Y hablé con ella para saber más o menos cuál era su angustia. Et elle m'a dit qu'elle était devenue veuve. Dijo que había llegado a ser viuda. Et que depuis plusieurs mois, plusieurs années. Y hacía ya algunos años y meses. Elle allait tous les samedis au cimetière. Todos los sábados iba al cementerio. Avec son balai. Con su escoba. Avec un seau, une serpillière. Con un trapo y con un balde de agua. Et tous les samedis, elle nettoyait la tombe de son mari. Y todos los sábados limpiaba la tumba de su marido. Et elle disait ceci. Y decía lo siguiente. Et dire qu'un jour je serai là-dessous aussi. Y decir que yo un día estaré también ahí debajo. J'ai dit, mais voilà pourquoi vous faites de la dépression. Y digo, por eso que está en depresión. Parce que notre espérance, elle est pas là. Porque nuestra esperanza no está ahí. Chers amis, queridos amigos, permettez-moi de vous dire ceci. Permítame decirle lo siguiente. Nous les chrétiens, nosotros los cristianos, nous savons que nous nous retrouverons dans l'éternité. Sabemos que un día nos encontraremos en los cielos. Même ceux qui m'aiment pas, s'ils sont chrétiens, ils se retrouveront avec moi. Incluso los que no me aman, si son cristianos, estarán en Mais el cielo. Quand on est chrétien, on aime tout le monde. Pero cuando somos cristianos, nos C'est amamos. Nos Moi, je vous connais pas tous, mais je vous aime. Yo los amo, aunque no los conozca a todos. C'est une réalité. Es una realidad. Je n'ai pas changé de religion. No he cambiado de vous religión. N'avez pas changé de religion. Ustedes no cambian de religión. Nous avons changé de vie. Hemos cambiado de vida. Et notre vie avec Christ, elle est formidable. Y nuestra vida con Cristo es formidable. Et j'ai tous les défauts des prédicateurs. Yo tengo los mayores defectos de prédicador. C'est que quand je parle de la grâce de Dieu, je m'arrête plus. Que cuando hablo de la gracia de Dios no puedo Alors là, parar. Je vais m'arrêter. Ahora sí, me que paro. Dieu vous bénisse. Que Dios le bendiga. Ne passez pas pour venir filmer, parce que sinon c'est trop compliqué, mais c'est filmé avec notre service, et si vous souhaitez avoir les vidéos, vous vous inscrirez, vous demanderez. Hein? Comme ça, vous aurez quand même le souvenir. Mais chacun reste à sa place. Vous pouvez vous lever si vous voulez, mais vous ne bougez pas. Nous allons passer au premier, donc Caroline Alvéal.
Je fréquente l'église Évidence depuis ma plus tendre enfance. Quand je suis devenue adolescente, je continuais à y assister parce que je devais obéir à mes parents. Je ne faisais jamais attention à ce qui se disait autour de moi. Cependant, je ne réalisais pas que Dieu travaillait petit à petit dans mon cœur. Au fil des années, j'ai fini par comprendre le message de l'Évangile. Il existe un Dieu et c'est lui qui a sauvé mon âme. Le Seigneur a opéré le salut en moi et il a utilisé l'exemple de ma famille. Je lui donne ma jeunesse et je m'engage à le suivre et à lui obéir. J'ai foi en lui et je sais qu'il est un Dieu unique et tout-puissant. Dios. Carolina Alvear, Alveal, c'est la fille du frère Israël qui est là, et c'est ma nièce, tu restes en famille. Carolina Alvear, ¿crees que Jesucristo murió por tus pecados y que resucitó de entre los muertos? Sí. ¿Crees que al resucitar pagó por tus pecados y te da una nueva vida? Sí. ¿Quieres caminar con Él en nueva vida, serle fiel y comprometerte hasta que Él regrese? Sí. Carolina, bajo esta confesión de fe de tu boca, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Michel Restrepo. Je viens d'une famille chrétienne et je fréquente l'église Évidence depuis que je suis bébé. Durant des années, je me suis rendue à l'église parce que mes parents m'y obligeaient. Lorsque je suis devenue une jeune femme, je me suis approchée de Dieu durant un certain temps, puis je me suis éloignée de lui plusieurs années. Plusieurs événements dans ma vie m'ont fait perdre la foi et j'ai cru que je n'avais pas besoin de Dieu et que je pouvais me suffire à moi-même. Mais j'avais tort, et au fond de moi, je le savais, parce que je ressentais un vide que j'ai essayé de combler au travers de nombreuses et diverses choses, mais rien ne me comblait. Par ma conversion à Jésus, j'ai pris conscience que seul Jésus peut remplir mon cœur de paix et de bonheur. Il a pardonné mes péchés, j'ai décidé de lui donner ma vie, et je veux qu'il vive en moi. Je veux suivre mon Sauveur, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16, 25. Michel Restrepo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que al morir en la cruz del Calvario y al resucitar pagó por tus pecados? Amén. ¿Quieres ahora, después de este bautismo, seguirle y comprometerte hasta que Él regrese? Sí. Michel Restrepo, bajo esta confesión de fe que acabas de hacer, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tatiana Vargas. Je suis née dans une famille dont les valeurs sont chrétiennes et où l'église, où l'évangile était présent. Enfant, j'avais l'habitude d'aller à l'église le dimanche et d'entendre l'évangile. Je n'en comprenais pas le sens, mais malgré mon incompréhension, c'est de cette manière que le Seigneur Jésus a commencé à travailler dans mon cœur. Malgré mon adolescence, j'ai été en mesure de comprendre progressivement qui était Jésus et pourquoi il était venu sur cette terre. Plus je comprenais, plus les questions fusaient, plus les doutes apparaissaient. J'ai douté de son amour et je n'ai pas accepté son pardon. Le péché m'a empêché de percevoir cet amour. Je me suis demandé comment un si grand Dieu pouvait penser à moi. Ce fut un très long conflit avec moi-même. Je continuais à venir à l'église, mais mon cœur était loin de lui, trop attaché au péché et à ce monde. Pourtant,
Dieu a continué à travailler dans mon cœur, dimanche après dimanche, à travers sa parole. Plusieurs fois, à travers les frères de l'Église, le Seigneur ne cessait de me dire combien il m'aimait. Sa patience, sa fidélité et son amour pour moi étaient si grands que je n'ai pas pu résister à lui offrir complètement ma vie. Aujourd'hui et toujours, je veux l'aimer et le servir de tout mon cœur. Tatiana Vargas, ¿crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que al ser crucificado en la cruz del Calvario, al ser muerto y resucitado, pagó el precio de tus pecados? Sí. ¿Quieres ahora, después de este bautismo, comprometerte a seguirle todos los días de tu vida hasta que Él regrese? Tatiana Vargas, conforme a esta confesión de fe que has hecho, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eva Barzala Alfonso. Je viens d'une famille catholique. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé participer aux activités de l'Église. Pour diverses raisons, dont mon divorce, je me suis totalement éloignée de Dieu. Bien qu'il y ait toujours eu le désir dans mon cœur de servir le Seigneur, après mon arrivée en France, ma tante m'a invitée à l'Église Évidence en 2013. Et depuis, je suis ici. C'est là que Dieu a fait son œuvre de conversion dans mon cœur. Il a complètement changé ma vie depuis le jour où il est entré dans ma vie et qu'il est devenu mon seul sauveur. Aujourd'hui, après ce processus, je veux servir mon Sauveur en m'engageant définitivement envers son œuvre. À lui soit la gloire. Bien, Eva Barzala, cree de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que al venir a esta tierra y al ser crucificado y derramar su sangre, al resucitar, pagó el precio de sus pecados. Sí, creo. Y quiere ahora comprometerse con Él a seguirle todos los días de su vida hasta que Él regrese por usted. Sí, así mismo. Conforme a esta confesión de fe que acaba de hacer, Eva Barzala la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ana Velázquez. J'ai rencontré le Seigneur il y a 2 ans. Avant ces 2 années, j'étais une personne très rebelle et je n'avais pas une attitude décente envers mon mari et mes enfants. Lorsque le Seigneur a touché mon cœur et m'a fait voir toutes les mauvaises choses que j'avais faites dans mon passé, j'ai commencé à voir les images comme un film enregistré et je me suis demandé, qu'ai-je fait de ma vie? C'est comme si pendant tout ce temps, j'avais été aveuglée. Le Seigneur était intervenu par sa grâce et m'a rendu la vue d'un moment à l'autre. C'est alors que j'ai réalisé la vie de péché et de mal que j'avais menée. Puis, Dieu m'a montré son amour et sa miséricorde. Alors que je ne méritais rien d'autre que la condamnation, il m'a sauvée par sa grâce. Je n'ai pas cherché Dieu, il m'a trouvée et m'a sauvée. Amen. Ana Velázquez, ¿cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Y que pagó que murió y al morir y al resucitar pagó por sus pecados. Sí. ¿Quiere vivir para Él ahora hasta que Él regrese? Sí. Conforme a este compromiso de fe que acaba de hacer, Ana le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guadalupe Rafael.
J'ai fréquenté l'église Elim au Salvador, Amérique centrale, à l'âge de 10 ans. J'ai eu ma première expérience avec Jésus et quand j'ai eu 12 ans, j'ai été baptisée, sans avoir eu une réelle expérience de conversion. À l'âge de 15 ans, j'ai quitté l'église et je me suis éloignée du Seigneur pendant un certain temps. Malgré cela, la grâce du Seigneur m'a atteint à nouveau et m'a ramenée à lui. C'est cette fois-ci que j'ai donné mon cœur au Seigneur de façon définitive. Puis j'ai dû venir en France, je suis dans ce pays depuis 2 ans. J'ai rencontré l'église Évidence et par l'intermédiaire de mon pasteur, j'ai réalisé qu'un baptême sans nouvelle naissance n'a pas de sens. En revanche, cette fois-ci, je sais que Dieu a fait une œuvre dans mon cœur, qu'il a pardonné mes péchés, et je sais que le baptême est un second pas d'obéissance qu'il me demande. Je compte sur l'aide de Dieu pour pouvoir continuer dans sa voie. Amen. Mi hermanita Guadalupe, llegó la hora. Cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y que Él al morir en la cruz del Calvario y al resucitar pagó el precio de sus pecados. Amén. Quiere ahora comprometerse y seguir con Él hasta que Él regrese en esa esperanza gloriosa. Amén. Mi hermana Guadalupe, conforme a esta confesión de fe, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Voilà, notre sœur est moldave, elle ne parle pas le français, mais je pense qu'elle peut répondre oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est bon, mettez vos mains sur la poitrine, voilà, moi je vous tiens. Voilà, Adela, vous savez que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Répondez fort. Oui. Da. Ouais. Vous vous engagez aujourd'hui à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie. Dans les bons comme dans les mauvais jours, de lui rester fidèle. Et bien sur la confession publique de votre foi, en ce Seigneur que vous aimez et qui vous aime, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Când povara e ca Dumnezeu, e tăria mea, numai Dumnezeu. E tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e ca Dumnezeu, e tăria mea. Si je ne me trompe pas, c'est un chant roumain, c'est ça? Voilà. Maintenant, je parle toutes les langues, moi, depuis que je suis à Évidence. Nicolas Sanchez. Ah, donc c'est bien, c'est moi qui avais raison. C'est bon. Je suis né dans un foyer chrétien. Je connais donc la parole de Dieu depuis mon enfance. J'ai toujours fréquenté l'église, mais je n'avais jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque j'ai eu 14 ans, le Saint-Esprit a fait son œuvre dans mon cœur. J'ai commencé à me demander ce qu'était un vrai disciple de Jésus. Au fur et à mesure que j'ai pu étudier la Bible, j'ai mieux saisi son sens, ce qui m'a conduit à une véritable rencontre avec le Seigneur. Je suis né de nouveau et j'ai donné ma vie au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour l'église qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour.
me guidant et me montrant ce qu'est la véritable vie chrétienne selon la Bible. Je remercie également l'Église pour l'opportunité de servir Dieu à travers le groupe de louanges. Je suis également reconnaissant d'avoir la possibilité de faire ce pas de foi. Nicolas, ça fait 2 ans qu'il attend le baptême. Alors croyez-moi, il y a de la joie dans son cœur. Nicolás, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado en la cruz y que derramó su sangre por ti, que murió y resucitó? Amén. ¿Quieres vivir con Él ahora, servirle, comprometerte hasta que Él regrese? Sí. Conforme a tu confesión de fe, Nicolás, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dylan Benaguer. Je viens d'une famille non chrétienne. Ma famille et moi fréquentons l'église depuis 4 ans maintenant. J'ai fréquenté l'église durant 1 an, parce que mes parents y assistaient aussi. Je ne comprenais pas les prédications du pasteur. Je ne croyais pas à l'amour de Dieu. Je ne comprenais pas ce qui faisait de moi un pécheur. La lumière de l'évangile n'était pas encore entrée dans mon cœur. Pendant cette période, j'ai eu l'occasion d'aider Sylvia dans l'église des enfants, dans le domaine du son, le théâtre, la décoration. C'était la première fois que je faisais tout cela. Dieu a travaillé dans mon cœur et l'église a cessé d'être une obligation pour devenir une routine que j'appréciais. Je comprenais de mieux en mieux la parole de Dieu. Toutefois, je continuais à vivre la même vie sans changer. Je ne voulais pas non plus être chrétien à mon âge. Je me disais, je suis trop jeune, plus tard. Pendant les vacances d'été de juillet 2017, j'ai passé 1 semaine dans un camp chrétien pour adolescents, Parole de vie. C'était riche en amitié et en conseils et m'a permis de découvrir une jeunesse différente de celle que je connaissais. J'ai vu comment les jeunes chrétiens sont responsables. Un soir, autour d'un feu de camp, le pasteur a partagé un message biblique d'environ 40 minutes. À ce moment-là, la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, a transpercé mon cœur de pierre. J'ai compris que j'étais un pécheur et que la miséricorde de Dieu était grande à mon égard. Non seulement j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai aussi ouvert mon cœur à Jésus. Il est devenu mon sauveur, son sacrifice sur la croix a rendu le salut possible pour tous ceux qui croient en lui. Le chemin de la vie chrétienne est étroit et nous pourrions penser qu'il est difficile d'y marcher au point de se fatiguer. Néanmoins, j'ai la foi que Dieu me donnera la force nécessaire afin de marcher avec lui. Jésus est le rocher de ma vie. Ça soupire. Dylan, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue crucificado en tu lugar y que pagó el precio por tus pecados muriendo en la cruz y resucitando? Sí, amén. ¿Quieres ahora seguirle, comprometerte, servirle, honrarle hasta que Él regrese? Sí, amén. Bajo esta confesión de fe, Dylan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Vicente Velázquez. Je viens d'une famille chrétienne, je suis la 3e génération. J'ai connu l'Église dès mon plus jeune âge, mais bien que vivant dans un cercle chrétien, je n'avais jamais décidé de donner ma vie à Jésus parce que je ne voulais pas perdre mes amis. Mon style de vie montrait que je ne connaissais pas vraiment Jésus, jusqu'au moment où il a travaillé dans mon cœur et m'a sorti de ma vie de péché que je ne voulais pas quitter. Je suis passée par différentes épreuves très difficiles. Même dans ces moments de difficulté, j'ai mis mon cœur à chercher le Seigneur. Il est entré dans mon cœur et maintenant je peux dire « Merci Jésus de m'avoir sauvé de cette croix où je devais être crucifié à ta place. Et grâce à ton amour, je suis ici pour te glorifier. Amen. » José Vicente.
¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y que al ser crucificado en la cruz, derramar su sangre, haber sido enterrado y haber resucitado, pagó el precio de tu pecado? Sí, amén. ¿Quieres ahora comprometerte a seguirle, amarle hasta que Él regrese? Sí, amén. José Vicente, conforme a esta confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous allons procéder au baptême de nos frères et sœurs français. On commence cette fois-ci par les hommes. C'est parce qu'on est galant. Je vous explique. C'est plus facile ensuite, les sœurs ont plus de temps pour aller se changer. Voilà. Alors, on a proposé que nos bien-aimés qui se font baptiser aujourd'hui aient le choix d'un petit cœur. Pendant leur baptême. Alors, c'est pour ça que l'équipe s'est remise en place. Mais les témoignages sont avec la vidéo. Donc, le premier témoignage, s'il vous plaît. Et voici mon témoignage. Il faut qu'on entende. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Tous les dimanches, je partais à l'église avec mes parents. Ma foi en Dieu date donc de ma plus jeune enfance. Les choses ont commencé à changer quand j'ai rencontré mon épouse, qui, elle, appartenait déjà à une communauté chrétienne. C'est alors que j'ai expérimenté la vie avec le Christ, par le jeûne, la prière et la charité. Cela m'a donné la paix du cœur, la stabilité dans tous les secteurs de ma vie en général. Ma véritable expérience, je l'ai vécue quand j'ai décidé de procéder à ma délivrance, afin de rompre les liens qui me retenaient encore. C'est après 3 jours de jeûne Esther que ma délivrance a été faite par un groupe de prières sur recommandation de mon épouse. La première nuit qui a suivi ce moment d'intense prière, il m'est apparu ceci dans un songe. Je me trouvais au fond d'une grande fosse, dans la posture d'un fœtus. Et une main salvatrice, la main de Dieu, m'a saisi pour me sortir de ce lieu. J'ai donc compris que depuis le sein de ma mère, j'étais tenu en captivité par l'ennemi. Aujourd'hui, j'ai décidé par le baptême de m'engager entièrement à suivre la voie du Dieu qui m'a sauvé. Mon Dieu a entendu ma prière, il a ouvert la porte quand je frappais, il a sacrifié sa vie pour que je sois sauvé, pour que je sois enfant de Dieu, et faire de moi un héritier du trône céleste. Je bénis le nom de l'Éternel. Eugène, vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur? Oui. Et vous vous engagez aujourd'hui à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie? Oui. De lui rester fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi en ce Seigneur qui vous aime et que vous aimez, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé, mon cheminement pour me faire baptiser. Alors, lorsque j'étais enfant, je me souviens que je suivais mes parents à l'église le dimanche. C'était par habitude. Puis en grandissant, je croyais en Jésus. J'avais cette intime conviction qu'il était là.
avec moi. Mais je ne comprenais pas que ce que certains appelaient la joie de Jésus. Pourtant, il s'était manifesté plusieurs fois dans ma vie. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment vivre cette joie, la joie d'être chrétien. Il y a environ 4 ans, un ami m'a parlé de l'église Évidence, qui est une église évangélique. Après m'être rendu sur place pour me rendre compte de ce que c'était une église évangélique, j'ai enfin compris ce qu'était cette joie dont parlaient les Écritures. Jésus n'est pas une occasion de manger des chocolats ou des galettes, mais de se réjouir ensemble, de ce qu'il a fait pour chacun des êtres humains. C'est l'occasion aussi pour moi d'affirmer que je crois que Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés. Pour moi, c'est le début d'une relation éternelle avec mon Créateur. Je suis enfin dans cette joie que j'aurais cherchée pendant si longtemps. Merci au Seigneur. Amen. Yann, vous savez que Jésus-Christ est votre sauveur. Oui. Et aujourd'hui, vous vous engagez à le suivre et à le servir. Oui. Vous lui resterez fidèle tous les jours de votre vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Gilange et voici mon histoire. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, avec ma famille, on a toujours... Bonjour, je m'appelle Gilange et voici mon histoire. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, avec ma famille, on allait toujours à l'église Évidence, chaque dimanche. Et bon, quand on est petit, ça ne veut pas forcément dire qu'on est saint. Mais sinon, depuis tout petit, malgré l'amour de mes parents, malgré que j'avais des amis aussi, des potes, je me sentais toujours seul, vraiment solitaire, comme si... J'étais voué un peu à moi-même. Et vraiment, ce manque, ce comble, cette solitude,
ça m'a fait plonger dans la pornographie, dans la masturbation. Et vraiment, j'ai voulu vraiment combler ce vide avec cela, mais ça m'a fait plus du mal que du bien. Et malgré tout cela, j'étais entouré de personnes, enfin, j'avais, on va dire, cette envie toujours d'avoir des sous, toujours d'avoir de l'argent. Surtout quand je me comparais avec les gens de ma classe, les gens que je fréquentais à l'école. Ils avaient des iPhones, des dernières Nike. Moi, je n'avais pas forcément les dernières Nike. Et ça m'a vraiment poussé à avoir cette envie de l'argent. Et malheureusement, j'étais entouré de personnes qui avaient la même mentalité que moi. Et ça nous a amené vraiment des choses, vraiment. Ça nous a amené à faire des paris sportifs, à voler, à vendre de la drogue aussi. Mais jusqu'à un jour où je me suis battu contre une personne que je considérais vraiment. Et quand je me suis battu avec cette personne, ça m'a fait poser des questions. Ça m'a fait réfléchir en moi-même, poser des questions sur la vie et sur Dieu. Et vraiment, à partir de là, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à essayer de le connaître en lisant la Bible que je négligeais chaque jour. Et vraiment, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a ouvert un peu l'esprit, me dire qu'il y a la vie après la mort. Et vraiment, je remercie Dieu parce qu'à partir de là, j'ai vraiment commencé à le chercher, à le chercher. J'allais même dans les camps de jeunesse, où il y avait plein de jeunes avec nous, on peut parler de Dieu. Et vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Et jusqu'au jour où, pendant mon année de bac, une fois que j'ai eu mon bac, mais je suis parti en vacances aux États-Unis. Et je m'appelle, quand je suis parti, je me suis dit, Dieu, là-bas, je veux te rencontrer, je veux te connaître là-bas. Et c'est une fois là-bas que vraiment j'ai compris que ce que Dieu a fait pour moi. J'ai compris qu'il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés, afin que je puisse avoir la vie. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai regretté en fait tout le mal que j'ai fait. J'ai regretté toute la vie que je menais. J'ai regretté tout le mal que j'ai pu faire à ces jeux. Et c'est à partir de là-bas, de ce moment-là, durant l'été 2019, que j'ai donné ma vie à Christ. Et vraiment, depuis, j'ai connu une paix que je n'ai pas pu connaître avant. Et vraiment, je remercie Dieu pour cette grâce, vraiment. Je vous remercie. Gilles Ange, tu sais que le Seigneur t'a aimé. Oui, je sais. Et aujourd'hui, tu t'engages à le suivre et à le servir tous les jours de ta vie. Oui, je m'engage. Eh bien, sur la confession publique de ta foi en ce Seigneur qui t'aime et que tu aimes, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai 16 ans. Je vivais dans le péché et la rébellion depuis 2018. J'aimais le monde et le mensonge avec la vulgarité, l'insolence et la violence, jusqu'à ne plus aller à l'église, jusqu'à l'arrivée du premier confinement où je suis retournée petit à petit auprès du Seigneur. Arrivé le 31 mai 2020, quand l'église s'est réouverte, j'ai décidé d'y retourner. Après, arrivé en juillet août 2020, pendant cet été-là, je me suis détournée des musiques modernes, de la colère et du péché. Lorsque je me suis aperçue que j'avais un énorme manque de Dieu dans ma vie, je ne pouvais plus continuer. Je me suis humiliée, lamentée et pleurée de repentance devant le Seigneur. J'ai été récemment baptisée du Saint-Esprit le 17 avril 2021, après avoir suivi les prédications et l'instruction du baptême. Aujourd'hui, je m'engage à servir le Seigneur publiquement jusqu'à la fin. Merci de votre écoute. Passe tes mains sur ta poitrine. Voilà, notre frère, c'est le fils de Jean-Daniel et d'Adeline qui,
conduise les chants pour la louange de dimanche matin. Donovan, tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi. Oui, je sais. Et tu t'engages aujourd'hui à le suivre, à le servir tous les jours de ta vie. Oui, jusqu'à la fin, je m'engage. Soyez bénis. Eh bien, sur la confession publique, en ce Seigneur que tu aimes et qui t'aime, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai eu la chance de connaître Jésus depuis toute petite et de grandir avec lui grâce à ma famille. Puis, à l'âge adulte et malgré mon attachement à Jésus-Christ, certains de mes choix de vie étaient incompatibles avec sa parole et je ressentais un tiraillement très fort en moi. J'aimais Jésus, mais je ne le laissais pas régner en moi. Et cela attristait profondément mon âme. Alors j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur sincèrement par la prière. Dieu qui nous a dit « Cherchez et vous trouverez » a commencé un travail en moi pendant plusieurs mois, m'appelant à lire sa parole, à lui réserver du temps. Il a mis sur mon chemin des témoins de son amour vivant et radical. Mais mes anciennes façons de vivre et d'aimer à la manière du monde et non à la manière de Dieu n'étaient pas loin et me rattrapaient parfois. Jusqu'au jour où un ami et frère en Christ, lors d'une conversation, m'a posé cette question qui fut cruciale pour moi. Cet ami m'a demandé « Toi, Marie, as-tu donné ton cœur et ta vie à Jésus ? » À cet instant, mon cœur s'est noué, car je ne pouvais pas honnêtement répondre oui, étant donné que j'avais conscience d'avoir encore certaines résistances au Christ. Mon impossibilité de répondre oui m'a fait très mal. J'ai ressenti une grande tristesse et un désir si fort de prononcer ce oui libérateur. C'est à ce moment que Dieu a mis dans mon cœur une soif de repentance. Seul le pardon de Dieu pouvait guérir mon cœur de ses blessures et de ses égarements. Depuis ce pardon, Dieu me fait voyager de découverte en découverte. Mes yeux spirituels sont en voie de guérison et commencent à voir les merveilles de son amour. Dieu nous invite tous à ensevelir les obstacles qui nous séparent de lui et à naître de nouveau en lui à une vie nouvelle que Jésus seul nous offre. C'est ce que symbolise le baptême biblique. L'immersion dans les eaux du baptême ensevelit notre héritage d'Adam et fait jaillir l'héritage de Christ. Voilà pourquoi je désire ardemment le baptême. Je veux suivre mon Sauveur qui a versé son sang à la croix pour moi et qui m'offre la vie éternelle par sa résurrection. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Marie, vous savez que Jésus-Christ vous a aimé jusqu'à la mort de la croix. Oui. Et aujourd'hui, vous vous engagez à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie. Oui. Dans les bons comme dans les mauvais jours, de lui rester fidèle. Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais demander le baptême, donc Jésus, c'est pour un alignement avec toi que je veux passer par les eaux du baptême. Car, comme toi tu l'as fait au Jourdain, moi j'ai pris conscience de ton amour pour moi et la valeur que j'avais à tes yeux. Et aujourd'hui, je veux par cet engagement te dire que tu es mon sauveur.
J'ai réellement compris ce que voulait dire une relation avec toi. Par ce rêve, Samuel, je ne l'ai pas eu cet enfant, demandé dans mon cœur, mais j'ai eu beaucoup plus. Une vie de connaissance et reconnaissance. Tu as déposé sur mon cœur une paix. Je sais que tu as porté mes péchés sur la croix et tu m'as libéré de la puissance du mal et tu as pris et tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci Jésus. Marie Céliane, vous savez que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Oui. Et vous vous engagez aujourd'hui à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie. Oui. À lui rester fidèle en toutes circonstances. Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi, en ce Seigneur qui vous aime et que vous aimez, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Corinne Patricia, voici mon témoignage. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. J'ai souvent entendu ma mère dire que c'est par le souffle de Dieu que nous sommes vivants. C'est en vacances chez ma grand-mère que j'allais à l'église, que je faisais le catéchisme. Je priais la Vierge Marie tous les lundis soirs. Je ne lisais pas la Bible. Quand j'essayais de la lire, je ne comprenais rien. Et en fait, pendant de nombreuses années, j'ai vraiment oublié Dieu. Je savais juste que j'étais protégée et je pensais réellement que c'est tout ce que Dieu pouvait m'apporter, la protection. Je ne me sentais pas digne en fait d'être aimée par lui, je ne me sentais pas digne d'être sa fille et en fait je ne croyais pas mériter d'être aimée par Dieu. Je vivais tellement dans le péché que des fois il arrivait un moment où je me suis dégoûtée moi-même. J'avais perdu la foi. Je me suis des fois demandé si je l'avais vraiment eu un jour. Je n'avais pas accepté le Seigneur. Je ne l'avais pas considéré comme la divinité qu'il était, le créateur du ciel et de la terre, et que son fils Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi, pour me sauver. Et en fait, c'est ma meilleure amie, ma sœur de cœur, Laetitia, qui m'a parlé, qui m'a rappelé que le Seigneur était un père et qu'il m'aimait. Elle a vu que j'étais perdue. Elle m'a parlé de ce Jésus-là qui faisait des merveilles dans sa vie. Et elle m'a dit qu'il avait cette promesse pour moi aussi. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché où le trouver et il m'a conduit à Évidence. Je vais dire que le Seigneur m'a accordé le temps de le rencontrer, le temps de vraiment le connaître. Il m'a relevé. Ouais, il m'a relevé. Il m'a vraiment enlevé de la boue où j'étais. Il m'a enlevé, en fait, il m'a débarrassé de tout ce qui faisait que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Il m'a déclaré son amour. Et aujourd'hui, en fait, je viens lui dire qu'à mon tour, je prends l'engagement de toujours revenir à lui. Je prends l'engagement de m'attacher à lui, de me confier à lui d'abord hein, et surtout de garder précieusement sa parole dans mon cœur. Je promets que cette parole ne va pas s'éloigner de ma bouche. J'ai juste envie de dire, Jésus-Christ, je t'aime, je veux faire partie de ta famille et je te choisis comme mon roi et mon sauveur. C'est toi que je veux suivre. C'est à toi que je veux ressembler. Je te dis merci pour ma fille. Je te dis merci pour ma sœur, mon amie de cœur. Mais c'est ma sœur aujourd'hui qui m'a permis de venir à toi. Merci pour Évidence où tu m'as conduit. Soyez bénis. Corinne,
Vous vous engagez aujourd'hui à suivre et à servir Jésus-Christ. Je m'engage. Vous savez qu'il est mort pour vous sur la croix et qu'il vous a pardonné vos péchés. Oui. Et qu'il vous a préparé et réservé une place pour l'éternité. Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai 47 ans et je suis adjointe administrative dans la fonction publique à Châtillon. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin parce que si on m'avait dit il y a encore un an que je serais ici pour me faire baptiser et partager cet instant de bonheur avec vous, et ben, je ne l'aurais pas cru. Car quelqu'un a dit un jour qu'on ne peut pas connaître la valeur d'un sacrifice si on ne connaît pas la valeur du sacrifié, et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai grandi dans une organisation religieuse où la grâce n'est pas enseignée. On y apprend que c'est un ange qui a racheté l'humanité et que le Saint-Esprit est réservé à un petit groupe très limité de personnes. Donc le salut ne s'obtient que par notre capacité à obéir à l'organisation. Et donc pensant pouvoir plaire à Dieu, par leurs propres moyens, les adeptes glissent insidieusement dans l'hypocrisie, dans le manque de miséricorde, dans toutes ces choses-là, un peu l'orgueil pour d'autres. Et exposé au jugement incessant des uns, des autres, j'ai quitté cette organisation à l'âge de 15 ans. Et même en pensant que Dieu me détruirait pour mes péchés et que c'était à moi d'y remédier. Donc intuitivement, je sentais bien que quelque chose n'allait pas, que quelque chose m'avait été caché. Et c'est le cœur lourd que pendant près de 30 ans, j'ai suivi ma propre voie. Et puis, il y a un an et demi, j'ai fait ce qui restera la plus grande découverte de toute ma vie. Jésus-Christ est Dieu. Ça a résonné dans ma tête comme un tonnerre. Et surtout qu'il est mort pour moi et que le prix avait été payé. Et que, voilà, je n'avais pas à porter ça sur mes épaules. Et donc, c'est cette vérité aussi qui m'a conduit jusqu'à cette église ce matin, où j'ai demandé au pasteur Forchelet de me baptiser, et il a accepté. Et donc, voilà, je voudrais remercier le Seigneur pour ça, pour ce merveilleux cadeau qu'il m'a fait. Donc, Seigneur, c'est avec une infinie reconnaissance que je me présente à toi, devant toi ce matin. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce cadeau que tu m'as fait, merveilleux cadeau, toi. Et maintenant, je sais que tu me connais, tu sais que je t'ai cherché partout, et c'est pour ça que c'est en tout que je me remets à toi. Donc Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi. Louisa, vous savez que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Oui. Et aujourd'hui, vous vous engagez à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie. Oui. Dans les bons comme dans les mauvais moments, de lui rester fidèle. Oui. Eh bien, sur la confession publique de votre foi, en ce Seigneur qui vous aime et que vous aimez, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plus blanc que neige.
Nous attendons que nos bien-aimés soient tous rhabillés. Ya van a regresar todos. On sera quitte à midi et demi. 12:30 terminamos. J'espère que vous avez réglé le four avec le gigot. Espero que el pollo esté ya listo y calientito para comerlo en la casa. Voilà. Donc, j'aimerais quand même méditer quelques instants avec vous. Quiero meditar unos minutos con ustedes. J'ai choisi un texte de l'Évangile de Jean. Y he elegido un texto del Evangelio de Juan. Au chapitre 5 et au verset 1er, voilà ce qui est écrit. Capítulo 5, versículo 1, dice de la manera siguiente. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pardon. Hubo una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Y había una piscina llamada en Bethesda, donde habían cinco pórticos. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Y había muchos enfermos alrededor de la piscina, paralíticos, ciegos, cojos, y esperaban que el agua se moviera. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Porque de tanto en tanto un ángel bajaba y tocaba el agua y la agitaba. Et celui qui y descendait le premier, dès que l'eau avait été agitée, était guéri. Y el primero que se lanzaba en el agua cuando el ángel movía esa agua era sanado. Quelle que fût sa maladie. Cual sea su enfermedad. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Y hacía 38 años que un hombre estaba enfermo. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Y al ver Jesús a este hombre que estaba enfermo hacía tiempo, le pregunta: ¿quieres ser sano? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Y él dijo: Señor, no tengo nadie que me lleve al agua cuando el agua es agitada. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Y cuando quiero ir, otro llega primero que yo. Lève-toi, lui dit Jésus. Jesús le dice: levántate. Prends ton lit et marche. Toma tu cama y camina. Aussitôt, cet homme fut guéri. Y al instante ese hombre fue sanado. Il prit son lit et marcha. Tomó su cama y caminó. C'était le jour du sabbat. Era el día de reposo. J'ai choisi ce texte un jour de baptême parce que l'histoire de cet homme, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait aucune espérance. Este hombre era un hombre que no tenía ninguna esperanza, por eso elegí ese texto hoy día. Il était là couché, paralysé depuis 38 ans. 38 años paralizado. Quelle est notre situation à nous aujourd'hui? ¿Y cuál es nuestra situación en este día nosotros? Combien de gens sont dans la peine, dans la misère, dans les difficultés? ¿Cuántas personas viven en dificultades? Je pourrais poser cette question: que faites-vous de votre vie? ¿Y qué hacemos de nuestra vida? Es la pregunta que podríamos hacernos. Nous cherchons une vie agréable. Buscamos una vida agradable. Nous cherchons le bonheur. Buscamos la felicidad. Nous cherchons la réussite sociale. Queremos salir adelante en todo lo que es social. Mais combien de gens sont tristes? Pero cuántas personas están tristes? Malgré toutes ces choses. A pesar de todo esto. Le texte nous dit qu'il y a eu une fête des Juifs ce jour-là. Ahí dice que hubo una fiesta de los judíos. Et Jésus est monté à Jérusalem pour cette fête. Y Jesús sube a Jerusalén a esa fiesta. Oui, les Juifs ont des fêtes. Los judíos tenían fiestas. La France a des fêtes. Francia tiene fiestas. La fête du travail. La fiesta del trabajo. C'est un non-sens puisque à la fête du travail on travaille pas. Es un bueno, no tiene sentido ya que el día de la fiesta el trabajo no se trabaja. La fête de la victoire. La fiesta de la victoria. La fête pour les morts. La fiesta de los muertos. Toutes les nations ont des fêtes. Todas las naciones tienen fiestas. La grande fête pour la France c'est le 14 juillet. El 14 de julio aquí en Francia. Alors là quand on parle du 14 juillet, on est intarissable. Y ahí cuando hablamos del 14 de julio. Mais toutes ces fêtes là que nous apportent-elles? Pero qué nos traen todas estas fiestas? Il y avait la fête à Jérusalem pendant que lui il était couché là en attendant la guérison. Había una fiesta en Jerusalén mientras él estaba enfermo. L'Église a des fêtes. La iglesia tiene fiestas. Les fêtes de l'Église, c'est pas Pâques. Y la fiesta de la iglesia no es Pascua. C'est pas Pentecôte. O el Pentecostés. C'est pas Noël. O quizás Navidad. Non, ce sont pas les fêtes de l'Église. Ça, ce sont des fêtes religieuses. Son fiestas religiosas. Mais la fête de l'Église. La fiesta de la iglesia. C'est quand un pécheur perdu passe de la mort à la vie. Es cuando un perdido se salva. La fête de l'Église, c'est quand des gens qui étaient malades ont été guéris. O cuando están enfermos y son sanados. La fête de l'Église, c'est quand des couples qui se déchiraient se réconcilient. Cuando las familias son reconstruidas. La fête de l'Église, c'est quand le jour où nous quitterons la terre,
nous puissions dire on se retrouvera de l'autre côté. La fiesta de la iglesia es cuando nos lleguemos a la gloria eterna. C'est ça la fête de l'église. Eso es la, la, les baptêmes, la c'est fiesta. La fête de l'église. Y el bautismo es la fiesta parce de l'église. Que nos bien-aimés sont passés de la mort à la vie. Que ellos pasaron de la muerte ils a vida. Ils ont commencé une autre vie, cambiaron une vie de vida, entièrement nouvelle. Totalmente nueva. Pour moi, la fête de l'église, c'est quand les vies, quand les cœurs sont changés. Cuando cambian los corazones, esa es fiesta. Cet homme était là et il nous a dit qu'il attendait. Y este hombre esperaba ahí. Combien de gens attendent? ¿Y cuántas personas esperan? Attendent que ça aille mieux. Esperan que se arreglen las cosas. Dans la pandémie que nous vivons. En esta pandemia que hemos vivido. Hein, on sait ce que c'est que d'attendre. Sabemos lo que es esperar. On ahora. Va attendre de plus porter le masque. De esperar de sacarse on la va attendre la que les restaurants puissent rouvrir. O que los restaurantes vuelvan on a va abrir. Attendre que ceci, que cela. O otra, cualquier otra cosa. Les gens attendent. La gente espera. Il attendait que l'eau de la piscine soit agitée. Esperaba que el agua de la piscina sea agitada, movida. On ne savait pas quand. No sabíamos cuándo. On ne savait pas de quelle manière. O de qué manera. Et ça m'a fait penser aux gens qui viennent à l'église ou qui vont à l'église le dimanche. O quizás la gente que va a la iglesia. Qu'est-ce que vous attendez quand vous allez à l'église? ¿Qué espera usted cuando va a la iglesia? Vous attendez un miracle? Un milagro. Vous attendez une délivrance? Una liberación. Vous attendez que qu'il se produise quelque chose? O que se produzca algo. Qu'est-ce que vous attendiez en venant au baptême aujourd'hui? ¿Qué esperaba usted al venir al bautismo? Qu'est-ce que vous attendez? ¿Qué esperaba? De la vie que vous menez. ¿Qué espera usted de la vida que lleva? D'hypothétique réalité. Hipotéticamente o realidad. Vous savez, nul ne sait si demain il ne prendra pas la route qui marque son destin. Nadie sabe si mañana caminaremos hacia el nous final pas destino. Éternels. No somos eternos en esta tierra. Et d'un moment à l'autre, tout peut changer. Y en un momento puede cambiar todo en nuestra si vida. Si c'est en bien, tant mieux. Si es mejor que bueno. Mais souvent c'est en mal. Lamentablemente muchas veces hacia el mal. Tous attendaient un ange. Todos esperaban la bajada de un ángel. Aujourd'hui, vous n'avez plus à attendre d'ange, je suis là. Ya no esperen ángeles que bajen, aquí estoy yo, él. Vous. Non, c'est pas moi l'ange. Non, non, yo no soy el ángel. Mais je me suis posé la question parce qu'il y a des gens qui attendent des anges. Pero me pregunté por qué la gente espera ángeles. C'est-à-dire un envoyé du ciel. Un enviado del cielo. Il y a des gens qui pensent que les anges, ils ont des grandes ailes dans le dos. Algunos piensan que los ángeles tienen alas grandes en la espalda. Ils ont une auréole. Y tienen una aureola en la cabeza. Et ils se manifestent que de temps en temps. Y de tanto en tanto se manifiestan. Que penser de cet ange-là dans l'histoire? ¿Y qué pensar de este ángel en la historia? Moi, je pense qu'il est bizarre, cet ange. Encuentro que este ángel es un poco raro. Il est étonnant, cet ange. Es extraordinario. Je vais vous dire pourquoi. ¿Por qué? Parce que c'est pas la méthode de Dieu de donner la guérison seulement à quelqu'un, porque à une personne. No es el método de Dios de solo bendecir a una persona, sanar mais a una Dieu persona. Dieu veut bénir tout le monde. Dios quiere bendecir chacun en particulier. A cada uno de nosotros. Dieu veut agir pour chacun d'entre nous. O actuar en nuestra vida. Et puis il nous est dit que quand l'eau était agitée, c'est le premier qui descendait. Y dice que el primero que llegaba al agua era sanado. Ça veut dire que c'était pas juste. Eso significa que no puisque era justo. Les plus gravement malades pouvaient pas descendre les premiers. Porque los que estaban más enfermos nunca podían llegar. Lui, ça fait 38 ans qu'il est couché là. 38 años ahí estaba este combien hombre. Combien de fois l'eau s'est agitée? ¿Cuántas veces se agitó el combien agua? De fois il a espéré une autre vie? Y esperó otra vida. Combien de fois il a espéré la délivrance et la guérison? Y ser libertado de su enfermedad. Et à chaque fois il a été déçu. Y cada vez no pudo, no llegaba. Les religions nous déçoivent. Las religiones. Les hommes nous déçoivent. Las religiones. Mais il y en a un qui ne nous déçoit jamais. No decepciona. C'est Jésus-Christ. Jesús no decepciona. Lui ne nous déçoit pas. Nunca decepciona. Et lorsque je regarde ce texte, cuando yo veo ese texto, je me dis que cette histoire elle est injuste. Veo que es una historia injusta. Alors je vais pas polémiquer là-dessus. No voy a polemizar en esto. Mais je dirais que ça ne ressemble pas beaucoup à l'amour de Dieu. Pero no parece mucho al amor de Dios. Un amour qui veut aller chercher le plus malade. El amor que va a buscar al más enfermo. Le plus vil des pécheurs. Al más vil pecador. La plus vile des prostituées. O la más vil prostituta. Le plus terrible des gangsters et des bandits. O de los bandidos, ladrones. Dieu veut bénir avec abondance chacun d'entre nous. Dios puede bendecir quelle nuestra que vida. Soit notre cual situation, sea nuestra situación. Quelle que soit notre cual vie, sea nuestra vida. Dieu nous aime. Dios nos ama. Dieu vous aime. Dios le ama.
Tant que c'est l'ange qui est là, il se produit rien. Mientras esté el ángel, nada sucede en ese hombre. Mais moi aujourd'hui, j'attends pas un ange. Yo no espero un ángel hoy día. Moi aujourd'hui, j'attends Jésus. Yo espero a Jesús. Jésus, lui, il a le pouvoir de guérir. Jesús sí tiene el poder de sanar. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que ce n'est pas l'ange qui va changer la vie de cet homme. No es el ángel que cambia la vida de este hombre. Mais c'est la personne de Jésus. Pero Jesús llega. Jésus va arriver dans cette piscine. Llega a la piscina Jesús. Et il va voir cet homme. Il sait qu'il est malade depuis 38 ans. Sabe el Señor que hace 38 años que está enfermo. Alors, il va lui parler. Il le va hablar. Plaise à Dieu que dans cette cérémonie de baptême, Dieu vous parle. Quiera Dios que le hable a usted hoy día. Qu'un homme vous parle, que les témoignages vous parlent, c'est bien. Que les hable. Es bueno el testimonio de los hermanos. Mais je souhaiterais que Jésus vous parle. Pero que Jesús les hable. Qu'il parle à votre âme, qu'il parle à votre cœur. Que hable a su corazón. Qu'il parle à votre situation. A su situación. À vos soucis, à vos problèmes. A sus dificultades. Si Jésus est là, si Jesús está aquí, plus besoin de piscine. Ya no necesitamos piscina. Plus besoin d'ange. Ni ángel. Amen. Amen. Moi je crois pas dans un ange. No creo en un ángel. Moi je crois dans un Seigneur de gloire. Pero sin un Señor de gloria. Dans un Seigneur formidable. Formidable. Permettez-moi de dire un mot sur la patience de cet homme. Y la paciencia de este hombre igualmente. Depuis 38 ans qu'il attend d'être guéri. 38 años esperando la sanidad. Déception sur déception, comme je vous l'ai dit, il est toujours là. Decepción tras decepción, pero ahí está. Je pense qu'il a fait des efforts pour essayer d'être le premier. Y quiso hacer esfuerzo siempre para llegar el primero al agua. Il y a des gens qui pensent que pour connaître Dieu, il faut faire des efforts. Algunos piensan que para conocer a Dios hay que hacer esfuerzos. Mais vous n'avez aucun effort à faire. No hay que hacer esfuerzos. Christ est mort pour nous. Cristo murió por nosotros. Il a fait, lui, l'effort. Él hizo el esfuerzo. Lui, il nous a ouvert le ciel. Él nos abrió el cielo. Lui, il nous a appris qu'il pouvait nous bénir, nous guérir. Él podía, nous délivrer, nos dice nous que changer. Nos puede libertar y cambiar. Nous donner une espérance éternelle. Y darnos una esperanza eterna. Que d'efforts n'avons-nous pas fait? ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho? Quand j'étais dans ma religion, cuando yo estaba en mi religión, on m'avait appris qu'il fallait faire des efforts pour être sauvé. Me enseñaron que había que hacer esfuerzos para ser salvo. Alors comme j'aimais beaucoup les desserts, y como a mí me gustaban mucho los postres, et ça a pas changé. No ha cambiado esto. Alors de temps en temps, je disais, je vais offrir mon dessert à Dieu. Entonces yo decía, voy a darle mi postre a Dios. Alors je me privais de dessert. Entonces yo no comía el postre. Pour être agréable à Dieu. Para ser agradable a Dios. Un jour, une dame malade a reçu la visite d'un homme d'église. Un día una mujer enferma recibió un hombre de iglesia. Et là, alors qu'elle était sur son lit de souffrance. Y ahí estando en su cama de sufrimiento. Cet homme lui a dit, madame, c'est parce que Dieu vous aime que vous souffrez comme ça. Como Dios le ama, pues por eso sufre usted así. Alors voilà qu'est-ce qu'elle a répondu. Y ella respondió. Il ferait bien de m'aimer un peu moins. Entonces que me ame menos. Terrible réponse. Qué terrible respuesta. Mais Dieu ne nous aime pas pour nous rendre malades. Dios no nos ama il para nous aime pour nous guérir, sino para sanarnos. Pour changer notre vie. Para cambiar pour nuestra bénir, vida. Para bendecirnos. Je voudrais terminer. Y termino con esto. Mon ami, Jésus est là présent. Querido amigo, Jesús está aquí con nosotros. Par son esprit. Por su espíritu. Et si Jésus est là, y si Jesús está en plus medio besoin nuestro, d'attendre. No hay que esperar más. C'est aujourd'hui. Hoy es el día. Maintenant. En este momento. Ça, c'est la parole de Dieu. Es la palabra de Dios. Dieu ne dit jamais demain, après-demain. Dios no dice mañana, después de mañana. Mais il dit aujourd'hui. Pero hoy. Maintenant. En este momento. Si tu entends sa voix. Si oyes su voz. Donne-lui ton cœur. Dale tu corazón. Parle avec lui. Habla con él. Jésus est là présent. Jesús está presente. Et il dit qu'il... Il était malade depuis longtemps. Muchos años enfermo este hombre. J'aime beaucoup l'écriture parce que Dieu nous montre qu'il n'est pas étranger à nos problèmes. Esto nos muestra que Dios no está, no es extranjero, il no, sait qui nous no sommes. Ignora nuestras necesidades, nos conoce. Je faisais des réunions d'évangélisation et derrière un des poteaux, il y avait des poteaux dans la salle comme ici. Derrière un des poteaux, il y avait un monsieur qui s'était retiré, qui se cachait derrière le poteau. En una reunión había así columnas y un hombre estaba escondido detrás. Et de temps en temps, il sortait de derrière le poteau. Y a veces miraba, il faisait ça. Y me hacía así, pum. Puis il se remettait derrière le poteau. Y otra vez se escondía detrás de la columna. Le Seigneur savait qui il était. Pero el Señor lo conocía. Vous pouvez vous cacher.
Nos podemos esconder. Vous pouvez mettre au fond de la mer. Vous pouvez aller où vous voulez. Donde usted quiere esconderse. Dieu sait qui vous êtes. Dios le conoce. Dieu vous connaît parfaitement. Dios lo conoce perfectamente. Il lit dans votre cœur comme dans un livre ouvert. En su corazón como un libro abierto. Et quand vous dites une chose et que c'est un mensonge, il le sait avant vous. Cuando usted miente, lo sabe antes que usted lo diga. Dieu connaît Dios nos vies. Conoce nuestra vida. Il sait si nous sommes rétrogrades. Sabe si hemos, nos il sait si nous sommes refroidis. O si hemos enfriado. Il sait si nous sommes incrédules. Si somos incrédulos. Mais la présence de Jésus auprès de cet homme, il dit, je sais que tu es là malade depuis longtemps. Yo sé, le dijo Jesús, hace tiempo que estás enfermo. Eh bien maintenant, lève-toi. Ahora, levántate. Avec le Seigneur, ce n'est pas des demi-mesures. Hein. Con el Señor no son las cosas a medias. C'est pas, écoute, si tu pouvais, peut-être que d'abord, quizás tu pourrais mejor, faire une petite prière. Pudieras hacer una pequeña oración, et tu pourrais peut-être essayer de te lever, mais peut-être que ça ne marchera pas. De pararte, a lo mejor no funciona. Non. Non. Jésus va dire, lève-toi. Va decir, levántate. Lève-toi. Levántate. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là. Amigo que está aquí. Lève-toi. Levántese. Ne reste pas dans ta no situation. Se quede en su situación. Ne reste pas dans tes problèmes. O en su problema. Mais décide de le suivre. Decida de seguir a Jesús. Et de le servir. Y de servirle. La Bible nous dit. La Biblia dice. Le paralytique n'a plus d'amis. El paralítico no tiene amigos. Et oui, quand vous êtes malade 38 ans, cuando está enfermo 38 tous les amis meurent les uns derrière les autres. Los amigos van muriendo uno et puis il y en a d'autres qui se fatiguent. Y otros se cansan. Et il va dire ceci. Y le va a decir esto. Quand Jésus va lui dire, pourquoi tu n'as pas encore été dans l'eau? Je n'ai plus personne. No tengo a nadie, le dijo. Je n'ai plus personne. Nadie que me lleve al agua. Dans notre ville de Paris, j'entendais un reportage cette semaine. Y en París estaba viendo un reportaje en la televisión de París. Le documentaire disait pendant la pandémie, Paris s'est vidé. Y durante la pandemia París se vació. Menos. Sauf les SDF. Menos los que viven en la calle. Les photos ont été prises. Y se de tous ces gens qui n'avaient pas où aller, de gente que no sabía dónde ir, qui n'ont personne, que no tienen a nadie, qui sont seuls, que están solos, qui dorment sur les trottoirs, que duermen en la sur calle, les bouches de métro ou ailleurs, en el metro, en otro peut-être lugar. Que vous vous dites ce matin, je n'ai dice, personne, no tengo a nadie, je n'ai pas d'amis, no tengo amigo. Mais tu n'as pas besoin ni des anges, no necesitas ni, ángeles, ni de la piscina, ni des amis, ni amigos. Ce dont tu as besoin, usted c'est necesita Jésus. De Cristo. Et si tu reçois Jésus y dans si ta Jesús vie, usted tout lo recibe, sera changé. Su vida cambiará. Tout sera bouleversé. Todo cambiará. Et tu commenceras une vie nouvelle. Y una vida nueva empezará. Où il sera avec toi tous les jours. Y siempre estará jusqu'à con usted, la fin du monde. Hasta el fin de los tiempos. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ces moments. Gracias por este momento. Tu nous fais du bien maintenant par ta parole. Gracias por tu palabra. Et par ton esprit. Y por tu espíritu. Que ta vie nous pénètre. Que tu palabra, tu vida esté en nosotros. Et que nous puissions méditer sur tout ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui. Podamos meditar y ver, y Señor, todo lo que hemos visto y oído. Nous te donnons à toi, Jésus, toute la gloire. Te damos a ti toda la gloria. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tout le monde est? On va les appeler sur l'estrade. Vamos a llamarles a que suban aquí. On va leur... Voilà. Messieurs, montez sur une marche derrière. Restez dedans. Honneur aux dames. Les messieurs, vous mettez derrière. Voilà. Montez sur une marche, voilà. Si vous voulez faire une photo, c'est une cuvée exceptionnelle. Ah, ils sont beaux, hein, vous ne trouvez pas? Vraiment. Faites passer, ils vont se débrouiller entre eux. Louisa. Eugène. Oui. Vas-y. Ce sont les certificats de baptême. Dans nos églises. Certificado de bautismo, entonces. Les gens qui changent de pays, d'endroit, peuvent venir avec un certificat de baptême pour prouver qu'ils ont bien été baptisés. Y prueba esto dans une église évangélique. Bautizados en una iglesia. Alors, il y a, pour certains, on n'a pas donné le... Il y avait plus, on était en panne de...
Je voulais vous dire que dans le monde, il y a l'international. En el mundo se canta una canción de se llama la internacional de los políticos que cantan. C'est un chant politique. Mais nous les chrétiens, on a aussi l'international. Y nosotros también tenemos la internacional. Alors je sais pas si vous pouvez retenir les paroles. No sé si pueden retener las palabras de esta canción. Les paroles sont un peu compliquées. Son muy complicadas. C'est alléluia. Alléluia. Ça va, vous pouvez? Alléluia. Répétez après moi, alléluia. Ah ben voilà, vous êtes formidable. Hein. La deuxième parole, c'est amen. Et amen. Oh ben là, on va faire un. Je cherche ma fille des yeux. Ah. Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est pas difficile. Hein. Vous avez les paroles sont affichées. Si vous savez lire, il n'y a pas de problème. Hein. Vous asseoir une minute seulement. Solo un minuto y ya terminamos. On veut donner les certificats pour les gens qui ont suivi l'école de la foi cette année. Alors pour la classe Alpha, il va y avoir Donovan Mohamed et Rebecca Rambouaro Zalama. Si vous pouvez venir s'il vous plaît. Oui, faites vite. La classe Vie Nouvelle, je vais appeler Yann Le Souef, Michel Boudougou, Jean-Luc Davila et Thierry Raja-Honson. Pour la classe Fondement de la foi, je vais appeler Ambre Levet, Priscille Nionnet, Magali Branco, Laurence Réveil, Yolène Capre, Inga Krasioun, Tatiana Krasioun, Viviane Porlise, Joanne Righello, Rachel Mazéine Zambi Lukubama, David Andriasson. Et pour approfondissement de la foi, je vais appeler Charlotte Prouet. Par
la prière. Je vous invite à vous lever avant que nous nous séparions. A orar, vamos a orar. Que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, que la grâce qui est en Jésus-Christ, et que la communication du Saint-Esprit, y que la comunión con el Espíritu Santo, vous accompagne, les accompagne ahora. Allez en paix. Vaya en paz. Amen. Amen. Bon retour à tous. Dios les bendiga. Dios les bendiga.